شيتافه وما لاش معلوش. بلال الله امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. القران حياتكم، القران لحمكم، القران دماؤكم، القران عصبكم، القران عرضكم، القران دنياكم، القران اخرتكم، القران العظيم سبب عزكم، القران العظيم سبب رفعتكم. عباد الله، القران العظيم لو جعلتموه خلفكم كنتم في ذله وفي مسكنه، لانه حبل الله. Plusieurs années, bien sûr, l'Arabie saoudite attaque des innocents yéménites et jamais au cours de la Ligue arabe cette question a été posée, alors que la République islamique d'Iran et le Hezbollah, qui soutient bien sûr indirectement la lutte contre le terrorisme, est au banc des accusés. Monsieur Laurent Louis. Oui, bah évidemment, vous savez, la Ligue arabe, c'est un peu comme l'ONU, c'est un peu comme l'Union européenne, c'est-à-dire c'est une organisation qui réunit des pantins qui obéissent aux ordres. Et les ordres, aujourd'hui, nous savons très bien d'où ils viennent. Ils viennent des États-Unis et surtout d'Israël et de tous les adorateurs du sionisme dans le monde. Malheureusement, ils sont assez nombreux. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de voir une Ligue arabe totalement entre les mains du sionisme à partir du moment où, depuis 2001, on s'est efforcé à supprimer, voire liquider parfois à coups de pierre et à coups de... ou simplement en pendant les responsables politiques. On s'est amusé à liquider tous les responsables politiques de la région qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, s'opposer à cette thèse et à ce projet du sionisme et de la création du Grand Israël. Donc forcément, aujourd'hui, on se retrouve avec une Ligue arabe composée de l'Égypte qui répond aux ordres aujourd'hui des Américains, d'Israël, puisqu'on a débarrassé Moubarak. Un Irak qui aujourd'hui est une colonie américaine, où on a créé le désordre pour y développer Daesh avec évidemment les moyens financiers et matériels des États-Unis et du Mossad. On a supprimé toute réalité politique en Tunisie. La Libye, je n'en parle même pas, c'est devenu un non-État où maintenant on est revenu au temps de l'esclavage. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que la Ligue arabe dise d'intelligent et de sensé, alors que finalement tous les pays aujourd'hui sont colonisés et ont à leur tête des dirigeants qui vont faire qu'une seule chose, créer ce conflit et l'exacerber entre les chiites et les sunnites afin de créer encore plus le désordre dans la région, parce qu'on sait très bien que le désordre dans la région, c'est bon pour Israël. Et donc ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'on pointe du doigt le Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah est le seul résistant à Israël dans cette période, dans cette région du monde. Il n'y a plus que le Hezbollah qui résiste, tous les autres sont soumis et sont évidemment obligés de répondre aux ordres des sionistes. Oui. C'est incroyable, venant des États-Unis et venant surtout de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui aujourd'hui est un faux pays musulman, selon moi, qui profite encore plus de l'argent des musulmans à travers le monde avec ce pèlerinage de la Mecque. D'ailleurs, je voudrais inciter tous les musulmans aujourd'hui à ne plus se rendre à la Mecque pour ne pas financer le pouvoir des Saouds. C'est très important. Vous savez, c'est un peu le pèlerinage à la Mecque, c'est un peu comme le commerce du halal. Tout est entre les mains des sionistes et de la communauté juive. C'est exactement la même chose lorsqu'on va aujourd'hui faire le pèlerinage à la Mecque, malheureusement. Mais c'est un jackpot incroyable pour ce pays qui, non seulement utilise l'argent des musulmans pour tuer d'autres musulmans, et ça, c'est totalement inconsidérable. Mais c'est malheureusement une réalité aujourd'hui. Il y avait déjà eu ces attaques terroristes en Iran il y a quelques mois de cela. J'avais déjà dit à l'époque que nous allions aller vers une situation de plus en plus grave qui pourrait conduire à un conflit. De l'Union européenne, de la Chine, de la Russie, est-ce qu'ils vont donc soutenir la République islamique d'Iran pour contrer justement les accusations menées par l'Arabie saoudite à l'encontre de l'Iran ou pas? L'Union européenne n'y comptait pas. Hein. On ne peut pas demander à une communauté où on veut transformer ou interdire l'antisionisme, qu'on veut assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, d'intervenir pour défendre l'Iran. C'est totalement impossible.
l'Union européenne n'interviendra pas, ou alors elle interviendra en étant du côté du mal, comme elle le fait toujours ces dernières années. Au niveau de la Russie et de la Chine, encore, il faut espérer que ces deux grands pays mettront leur veto à toute opération militaire contre l'Iran, parce qu'on en est là aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il faut se préparer à ce genre de conflit. Je pense qu'il faut se préparer à ce genre d'intervention criminelle de la part des forces, comment les appeler ? Elles sont tellement nombreuses aujourd'hui. C'est vrai qu'on essaye de dire les choses avec des mots simples, mais c'est tellement compliqué. Cette grande coalition du mal qui regroupe les États-Unis, Israël, l'Union européenne, mais également l'Arabie saoudite et tous les autres pays musulmans qui sont vendus au sionisme dans la région, ça commence à faire beaucoup de monde. Qui sont les opposants aujourd'hui? Qui sont les résistants? Il n'y a presque plus. On les a tous éliminés. Il reste le Hezbollah et l'Iran. Et malheureusement, je l'ai souvent dit, j'ai souvent plaidé pour la création d'un Hezbollah européen, parce que je pense aujourd'hui qu'en Europe, tous ceux qui peuvent faire comprendre à la population européenne que des pays souverains sont aujourd'hui en danger par nos gouvernements qui propagent le mal et la mort à travers le monde, eh bien malheureusement, nous n'avons pas de moyens d'action, nous n'avons pas d'écho. Dès qu'on ouvre la bouche, on se retrouve au tribunal avec des accusations d'antisémitisme ou de négationnisme ou de je ne sais quoi. Alors, l'Arabie saoudite, elle est sunnite, l'Iran, il est chiite, ils se détestent. Et à un point tel que l'Arabie saoudite, qui était un ennemi d'Israël, qui a financé beaucoup, beaucoup d'attentats ici en Israël, Bibi Netanyahu, il a dit dernièrement, il a dit, j'aurais jamais imaginé que nous aurions des accords avec un pays arabe qui était un tellement grand ennemi de nous auparavant. Il n'a pas eu le qui, mais tout le monde comprend de quoi il s'agit. L'Arabie saoudite, aujourd'hui, elle est venue... Ah, dernièrement, il y a eu un interview du chef de l'armée israélienne sur une chaîne de radio anglaise dont le patron est saoudien, et il a dit là-bas que nous sommes, Israël est avec l'Arabie saoudite, en accord total. On a un ennemi commun qui est l'Iran, et au niveau militaire, accord total. Actuellement, on est en train de finir le plus grand exercice militaire aérien qu'il y a jamais eu dans les cieux d'Israël, auquel participe l'armée américaine, française, polonaise, grecque, italienne, indienne et un pays arabe dont l'identité n'a pas été dévoilée. Qui ça peut être? Les Marocains peut-être. D'accord? C'est clair, c'est l'Arabie saoudite. Parce que l'Arabie saoudite est un pays extrêmement riche, mais extrêmement vulnérable. Ils n'ont pas d'armée, ou c'est une armée nulle, d'accord, et